France 3 créé l'événement, ce vendredi 11 décembre, avec la diffusion d'un documentaire réalisé en septembre 2016 lors du dernier road trip de Johnny Hallyday. Le chanteur, accompagné de plusieurs de ses amis, avait traversé les États-Unis, de la Nouvelle-Orléans à Los Angeles, en moto. À l'occasion de la diffusion de ce reportage réalisé par François Guttgeber, Closer vous propose de découvrir si Laetitia Hallyday a participé, elle aussi, à ce voyage. Sur le compte Instagram du chanteur décédé il y a maintenant 3 ans, on découvre, à la date du 21 septembre 2016, une photo de Johnny Hallyday et de ses amis dans un restaurant de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Sont également présentes à cette table, Laetitia Hallyday et leurs deux filles, Jade et Joy. Ces dernières avaient fait le déplacement depuis Los Angeles pour terminer cette traversée des États-Unis avec le chanteur. Depuis 2018, les amis de Johnny refont le road trip sans lui à son retour en France, Johnny Hallyday se sent très fatigué. On diagnostique alors un cancer du poumon stade 4 au chanteur. Mais qu'importe la maladie, il prévoit déjà le prochain road trip. On a vu le film de François Guttgeber ensemble et à l'issue de la projection, il a commencé à planifier le prochain départ. On l'a finalement fait sans lui, Philippe Fassien, Billy et moi, en respectant sa feuille de route. Laetitia et Dimitri Coste nous ont rejoints à Mexicanat, un endroit qu'il adorait. En 2018 et 2019, on est reparti pour lui rendre hommage. Ce sont des moments très joyeux parce qu'ils n'estent jamais très loin de nous, confie Pierre Billon, son parolier historique et l'un de ses meilleurs amis, dans un entretien accordé à Téléstar. En octobre dernier, sur l'antenne de RTL, Laetitia Hallyday se confiait sur ce fameux dernier road trip de son mari. Ce n'était pas son premier road trip. Tous les 2 ou 3 ans, il repartait sur les routes avec ses frères, j'insiste vraiment sur ce mot parce que c'est comme ça qu'il les appelait. Il avait ce besoin de partir 15 jours sur sa terre promise, la terre des origines comme il disait avec cette culture qu'il adorait et toujours dans le partage. Ce quatrième voyage c'est une envie vraiment palpable, un besoin viscéral pour lui, explique la veuve du chanteur.